Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation sur Blood Bowl 2, donc ça va être la poule dans laquelle j'ai engagé mon équipe de Nether, les champions d'Exoatl, donc dans la compétition Stagiaire Trophy, avec dirigé par Sir Madness, et je vais vous présenter un peu la poule à qui on va avoir affaire. Donc on va être 5, donc vous allez, donc alors, on a 3 poules de 5 dans le tournoi, si je me trompe pas, 3 ou 4. Donc, alors les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, je vous tiens à vous le dire. Et les deux meilleurs troisièmes, je crois, sont également qualifiés. Donc ça va être sur des critères précis. Donc je vais commencer par vous présenter l'équipe menée par le signe moi, les Braises. Donc ce sont une équipe de Bretonniens. Donc elle est toute neuve apparemment. Il a, grâce au match admin, parce qu'on a tous eu un match admin, il a pu s'acheter l'apothicaire, ce qui est un choix logique et raisonnable. 3 relances, 4 blitzers de base, 8 paysans, donc il aura un remplaçant. Donc, en général, le paysan ça craque sous la dent, mais il faut se méfier parce que 9 folles est un 2 cas précieux, comme on dit, cette dernière. La Belgian Terror menée par Evil Serge, donc des morts vivants, 2 momies, 2 revenants. Donc les revenants, dont un qui est très bien monté, Châtaigne Tac, ça peut vraiment faire très mal pour nous, surtout avec les skinks. Une ghoul bludgeuse, bloc esquive. Un squelette force 4. Et une ghoul agica. Donc niveau caractéristique, Serge a eu beaucoup de réussite, on va pas se le cacher. Mais bon, ça va être une équipe assez compliquée à battre. Tactamo qui joue sa Choukotera, une équipe de Nurgle. Donc je vous préviens, bonjour l'odeur dans les stades. Hein. Un conseil, quand vous voyez une équipe comme ça débarquer, passez un grand coup de nettoyage après quoi. Donc il a une bête de Nurgle, un gros monstre bien dégueulasse et tentaculesque. Il a 3 guerriers de Nurgle, je pensais qu'il en aurait eu 4. Il a un Pestigore. Il a aussi 2 pourris, un lutteur et une dextérité, très bien. J'aurais plutôt mis dextérité sur un des pestigures et un autre un peu plus châtaigne griffe pour tuer, comme ce genre d'équipe accès aux mutations, comme les équipes du chaos de bas fond par exemple. Mais bon, pourquoi pas. Donc 3 relances, 1 de popularité, 1050 de TV. Peut-être qu'il va se prendre un autre pestigure, je crois qu'il... Ah non, il pourra pas, ça coûte 80 000 dommages. Et enfin, les services médical ou médicaux, comme vous pouvez faire, menés par Lucarius, donc c'est une équipe neuve aussi. Donc la morphine. Donc Morphine qui est le Minotaur, 3 guerriers du chaos et 7 hommes bêtes. Donc c'est une équipe assez compétitive aussi. Même si je suis pas adepte du Minotaur en tant que joueur du chaos, j'aurais plutôt préféré prendre les 4 guerriers et les 7 hommes bêtes. Ce qui donnerait 3 relances, mais bon, ça peut être un choix viable s'il compte utiliser le Minotaur pour faire du dégât dans l'équipe adverse, et pourquoi pas. Et donc nous, je nous présente plus, mais pour info. Nous avons un Croxigore, 6 Horus, 4 Skink. Grâce au match admin, donc notre Skink total lead a eu un match du match, donc en plus, donc il a 11 points d'expérience. Lubricate avait le premier MVP de l'équipe contre le mode d'Ascarnosborn. Et les deux autres Skink ont marqué 2 TD administratifs, donc ça leur fait chacun 3 points d'expérience. Donc l'idéal, c'est que dès que possible, les faire monter le plus tôt possible pour avoir plus de compétences, parce que les Skink vont être très importants, non seulement dans la gestion de balles, mais aussi dans l'esprit défensif de l'équipe, tout comme les Saurus. Et il va falloir faire attention. Voilà. Si je devais donner un petit pronostic de qualification pour cette poule, enfin, avec mon humble expérience de joueur de Blue Ball, pour moi, je pense que Serge, avec son équipe, il peut être bien taillé pour se qualifier. C'est la plus expérimentée, premièrement. Et la deuxième, j'hésiterais entre la Choukouta variée de Tactamo et les Braises de Dissimono. Parce que les Bretonniers ont quand même un bon roster, même si les Pécores, c'est pas la joie. Après, avec Nurgle, le fait, c'est une mutation. Quoi. Ce qui me dérange, c'est que les équipes à mutation, il faut voir sur le long terme, mais je sais pas si 5 matchs minimum, ce sera suffisant. Sauf s'il arrive à tuer beaucoup de joueurs et tout, etc., et que l'XP monte en flèche, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, à voir. Dans ce tournoi, on va avoir aussi des petites règles spéciales. Donc, on aura des bonus de points. Donc, par exemple, si on gagne 2-1, on va gagner 3 points logique, mais on a aussi des bonus de points pour certains cas. Je vous explique. Si on blesse un joueur, on gagne un point supplémentaire. Si on fait une bombe, donc c'est un type de passe, donc c'est la passe à 6 plus en moyenne, et qu'elle réussit, vous marquez un autre point en plus. Si vous marquez plus de 3 TD, vous gagnez un point en plus.
Et je crois qu'il y a une dernière chose. Je crois que si on cause un mort, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc ça cause un point. Donc bref, voilà. Ça va être un tournoi assez intéressant comme le rugby un petit peu. On va se marrer. Donc voilà. Alors moi, si je disais que mon équipe, déjà, ce que je vais essayer de faire, c'est de pas finir dernier de ma poule. C'est tout ce que je souhaite. Donc ce seront des matchs simples, donc pas d'aller-retour. Un match par adversaire, c'est plutôt équitable. Et il faudrait faire attention et être prudent. Voilà. Donc si j'arrive à finir quatrième, c'est déjà bien. Si je peux finir plus haut, c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation du Purgatoire de Ravol. Donc la poule dont je serai affecté avec mon équipe d'Omnesa. La compétition va démarrer le 1er avril 2019. Je vous mettrai toutes les retranscriptions de match, donc pas les matchs en direct, mais je vous ferai les replays avec ma connexion internet, comme je vous l'avais expliqué. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.